Il fait ouf, ouf les masses, les bébés au kebab, c'est des. Ah, mais il arrive du haut là. Ah ouais. Ce qui me sauverait, c'est qu'il est trop chaud et qu'il reparte de suite. Quoi. Ah ouais, que ça le pousse à. Ça simplifierait quand même la situation. Est-ce qu'on voudrait qu'il parte? Symboliquement, c'est quand même le campanile du village, c'est pas rien. Ouais. Ces gens-là, si au moins ils étaient un peu discrets. Oui, puis. Je dis pas, mais là quand même. Non, là il est pas discret. J'ai vu un gars un peu bizarre. Et là maintenant, j'ai l'impression de voir un chat de gouttière par moment. Malheureusement, d'eau d'en haut, il ne peut y avoir que d'eau d'en bas, il ne pleut pas depuis si longtemps ici. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il va pas rester 3 jours. Il va rester sur les toits pendant 3 jours, 2 nuits. Il a juste un hamac. Il va demander aux voisins à manger. C'est quelqu'un qui arrive d'en haut et du coup, tu vois, il veut serrer la main à tout le monde maintenant. Elle l'a empêché de descendre, du coup il est en train de remonter là. Il va repartir. Jette-toi! Vous voulez que je descende? Oui! Jette-toi! Papa! Allez vite! Toi! Monsieur Desmond, vous me demandez l'autorisation d'atterrir. Pourquoi vous adressez-vous à moi, Monsieur Desmond? Parce que je suis le maire de ce village, donc en position plus haute que les autres. D'abord. Vous venez d'où, monsieur Desmond? D'en haut? Certains vont sortir leurs actes de propriété, d'autres vont brandir leur drapeau et vont vous opposer leur nationalité. Ils vont vous dire qu'on est bien assez nombreux et qu'il n'y a plus de place pour l'autre, l'étranger. On l'entend tous les jours. Moi, je suis une élue de la République et je veux appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article dit: tous les
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors je suis prête à vous accueillir sur le sol de notre village. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Oui! Êtes-vous d'accord pour l'accueillir? Oui! 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 Nous vous accueillerons malgré et même surtout avec vos différences pour nous enrichir mutuellement. Une liberté certaine de ce monsieur. Hein? Une liberté, puis c'est beau. C'est magnifique. Ah, c'est trop beau.